Europe 1, 8h33. C'est la revue de presse de Natacha Poloni. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, on sent quand même la dernière ligne droite. Hein. Le Monde, Fillon, Le Pen, Macron, Mélenchon, pourquoi ils se disent tous anti-système ? L'opinion, les dégâts de la pensée magique. Alors en gros, la pensée magique, c'est tout ce qui remet en cause les dogmes économiques des 30 dernières années. Il n'y a pas d'alternative. Libération, Le Pen, Mélenchon, la bataille du vote ouvrier. Le Figaro met François Fillon en majesté, je serai au second tour. L'Humanité met Mélenchon à l'Élysée, ce qui changerait dans votre vie dès la première année. Et l'Obs nous explique pourquoi il vote Emmanuel Macron. Bah parce qu'il faut faire barrage, bien sûr. On commence par un débat chez nos voisins. Exactement. Les Échos et l'Opinion nous racontent que les résultats du référendum turc auprès de la diaspora installée en Europe provoquent des remous chez nos voisins allemands autour de la binationalité. Parce qu'en fait, ils ont voté oui à 63%. Alors pour les commentateurs, nous disent les Échos, c'est un peu comme si les immigrés turcs avaient dans leur majorité opté pour un régime autoritaire en Turquie, alors qu'ils profitent des avantages de la démocratie en Allemagne. Oui, le débat sur l'intégration surgit chez nos voisins allemands. Débat chez nous avec la présidentielle. Bon, à quelques jours du scrutin, la presse tourne un peu à vide, hein, il faut bien le dire. Elle semble avoir tout dit sur l'incertitude, sur les hésitations des électeurs, sur le vote utile. Du coup, on fait un peu dans l'anecdotique. L'Express nous parle de la vraie vie des candidats, leur look décrypté façon presse féminine, leurs distractions, polar, des livres de science-fiction pour Jean-Luc Mélenchon, séries américaines pour François Fillon, soirée karaoké et Dalida pour Marine Le Pen. Et puis il y a même leur restaurant préféré. Le Monde s'intéresse à ces coachs en art dramatique qui leur apprennent à placer leur voix, à jouer avec la gestuelle. Bref, on attend et en attendant, on bavarde. D'ailleurs, l'Opinion et les Échos nous racontent que François Hollande bavarde aussi. Il a passé ses consignes à ses ministres après le Conseil, hein, disant tout le mal qu'il pense de Jean-Luc Mélenchon et résumant la situation. D'ici dimanche, on dit ce qu'on ne veut pas. Après dimanche, on dit ce qu'on veut. Et aux législatives, on fait comme on peut. Vous nous parlez à présent de la vie des entreprises, Natacha. Mais oui, la politique étant une des Échos, la vraie politique. Les intentions d'embauche à un niveau record, mais comme le précise le journal, les difficultés de recrutement sont également en hausse. Et puis il y a cette tribune de Sylvain Lindon, restaurateur, sur le site Causeur. Il interpelle Martine Aubry, la dame des 35 heures. Alors ce qu'il explique, que revenir sur les 35 heures ne suffira pas, selon lui, à compenser les dégâts de cette mesure. Et même pas sûr, dit-il, que cela redonne de la compétitivité aux entreprises, puisqu'un retour aux 39 heures ne se ferait pas, évidemment, à salaire égal. On remonterait, on les paierait 39. Les entreprises réclament surtout, dit-il, des baisses de charges. Mais le problème est ailleurs, selon lui. L'application des 35 heures s'est essentiellement traduite par des RTT et donc par des congés supplémentaires que les Français ont dû financer à moyens constants, se condamnant à vivre en mode low cost. Ce qu'ils dépensent dans leur voyage, leur RTT, ils ne le dépensent pas dans la vie quotidienne où ils ne peuvent plus s'offrir que le nécessaire, du bas de gamme. Ils s'appauvrissent et la France avec eux. C'est cette consommation quotidienne qu'il faut relancer, dit-il, pour recréer de l'emploi. Vous vous intéressez à présent à ce que mangent les anciens. Mais oui, ça c'est un article d'aujourd'hui en France sur un sujet délaissé, parce que c'est pas très sexy d'évoquer la question des aliments mixés dans les maisons de retraite. Et pourtant, nos vieillards sont frappés par la dénutrition, le manque d'appétit, parce qu'on ne leur propose bien souvent que des aliments réduits en bouillie. En cause, la peur de les voir s'étouffer par une fausse route. Alors pour se couvrir, les personnels des maisons de retraite abusent du mixeur. Et ça, c'est une autre forme de maltraitance. Vous faites un petit clin d'œil à Raphaël Antoven, parce que vous nous parlez d'un historien de la philosophie à présent. Exactement. Le Figaro littéraire consacre une page à l'immense Lucien Gerfagnon, historien de la philosophie disparu en 2011 et dont les premiers textes sont aujourd'hui publiés, un des plus grands esprits qu'ont pu produire les humanités, mais aussi, selon les mots de Michel Onfray, qui fut son élève, un mélange de Pierre Dac pour l'humour et Louis Jouvet pour le spectacle. Agnostique mystique, amoureux de Saint-Augustin et grand lecteur d'Umberto Eco, dont il aimait citer le nom de la rose, il l'avait lu 50 fois, et cette phrase de Guillaume de Baskerville au vénérable Roré, « Tu es le diable, la foi sans sourire, la vérité jamais effleurée par le doute ». On termine dans le Figaro, tiens. Oui, avec une drôle d'histoire, très étonnante. Celle d'un tas de billets retrouvés dans un appartement de Lagos au Nigeria. 43,4 millions en dollars, 27 800 livres et 23,2 millions de naïras, ça fait 71 000 euros. La commission des crimes économiques et financiers est incapable d'identifier l'occupant du luxueux appartement, propriété d'une société basée dans un paradis fiscal. Alors les services secrets affirment maintenant que cet argent est le leur et que ce sont des fonds pour une opération. Le gouverneur d'un état du Sud a exigé que les dollars lui soient rendus, mais les Nigérians soupçonnent certains barons de la compagnie nationale pétrolière et se désolent d'ailleurs de la corruption dans leur pays. Quand même, oublier une telle somme dans un appartement, mais jusqu'où va la phobie administrative de certains, c'est dingue. La revue de presse de Natacha Poloni qui revient demain à 8h30. À demain Natacha. À demain.